Et mon épouse qui s'appelle Viviane, j'ai écrit un livre sur l'impact des rencontres dans la destinée. Moi, je l'appelle Viviakine. Parce que j'estime qu'elle a été un médicament utilisé par Dieu pour guérir plusieurs choses en moi. Si toi aussi tu vas aller là-bas, bon, tu peux aller dans les Totikines. Elle m'a aidé à me perfectionner. Et j'en parlerai en progressant. Que des tares qu'il y avait en moi qui sont partis. Quand j'ai commencé à les côtoyer, elle me dira un jour, frère Roland, à l'époque, frère Roland, tu prêches bien. Mais tu sais que tu as un problème d'haleine hein, avec ta bouche. Le problème, c'est que cette mauvaise odeur que l'on produit, les producteurs en général n'est pas au courant. Ce sont ceux qui sont tout autour qui souffrent. Et je ne savais pas que les gens que j'encadrais souffraient, mais au nom du respect, n'arrivaient pas à me les dire. C'est quand Viviakine a commencé à changer les choses, une soeur m'a appelé un jour. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit quoi? Les choses ont changé avec ta bouche. J'ai dit, ah bon, il y avait un problème, il est grave. Avant que je la connaisse, je n'étais que spirituel. L'habillement, m'habiller comme ça, comme je suis habillé. J'ai appris plus tard, quand j'ai commencé à la côtoyer, que les soeurs à l'église là-bas, on m'appelait arc-en-ciel. Parce qu'il semble que je portais toutes les couleurs du monde. Chemise verte, pantalon orange, chaussettes jaunes. Tout ce qui m'intéressait, c'était ma futa, Mpevia Longo. Les célestes m'intéressaient. Tout ce qui était terrestre ne me disait rien. Quand Viviane a commencé à me corriger, Roland, tu sais, tu dois t'habiller comme ça. Je n'ai jamais même oublié, elle a changé ma coiffure. Il dit, regarde, ta tête n'est pas petite. La manière dont tu te coiffes, là, ça gonfle encore. J'oublie jamais, j'ai changé ma coiffure, mon habillement. La première fois, j'entre là-bas, on dit, maman, Kabongé, mais voyez, tape les mains, dit, caca. Roland, on a la bombe sur vous. Ah, maman, on a bongé. Le perfectionnement. J'entends une femme là au coin et dit, moi, je suis dit, moi, si je dis, marangate. Papa, je dis, maman. Mais j'aime aussi dire, Viviane, moi aussi, un peu civilisé. Moi, j'ai grandi à la cité avec C majuscule. Si j'étais au Katanga, je ne sais pas moi, Lubumbashi, j'habiterais où? Les cités les plus bouillantes. Je n'ai pas cité les noms, c'est vous qui avez cité. J'étais spirituel, mais j'avais des habitudes. Vous voyez les gens d'habitude, tu fais entrer ton doigt dans les nez, puis tu veux vérifier qu'est-ce que tu as pris. Dieu te bénisse, maman. Le perfectionnement. Les premiers vrais compliments, j'ai commencé à les recevoir quand je me suis fiancé. La première fois, elle m'a dit, Roland, tu es beau. J'ai pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté. Et ça m'a guéri des complexes. Deuxième complexe, c'est un complexe social. Je viens d'un milieu très, très pauvre. Du reste, c'est cette pauvreté un peu qui m'a bloqué. Quand j'ai commencé à l'aimer, oui, moi, j'arrivais pas à lui dire que je l'aimais. Elle a grandi dans un quartier chic, quartier chanic, à Kinshasa. Tous les noms des avenues sont en français. Orangerie, bananier, citronnier. Moi, d'où je viens, c'est Kingotolotolo, Masangambila, Mfumboa. Je faisais rire Viviane, j'ai dit, elle habitait les gens du quartier. Quand tu arrives, même les chiens sont francophones. Tu dis au chien Longois, c'est comme s'il veut te dire, monsieur, tu peux parler en français, s'il te plaît. Et ce qui m'a étonné quand je commençais à l'aimer, elle ne voyait pas mon présent, elle voyait mon futur. Elle disait, Roland, tu iras très loin. Tu as un bel avenir. Comme ça, j'aime dire, malgré ma spiritualité, sur aussi Viviane. Togobunda. Mais Yamolimo. Jacques André Vernon, mon pasteur, un jour il me parlait au bureau et il pleurait. Il disait, Dalo, tu connais mon épouse, tu connais son caractère, elle avait un côté dur. Mais il disait, je dois au Seigneur et à mon épouse tout ce que je suis devenu. Il m'a relaté combien il a grandi comme un jeune homme à Lambaréné où il est né au Gabon, plein de complexes, introverti.
Il avait un père d'un certain caractère, un peu dur, spirituel même. Et c'est quand il a commencé à être fiancé de cette jeune fille qui un jour après un moment de prière est venu lui dire, Jacques, pour que tu te réalises, tu dois t'éloigner de ton père. Parce que son père l'écrasa avec l'autorité. Demande la permission à ton père d'exercer le ministère, mais loin de lui. Et c'est à cause d'elle qu'ils ont quitté les Gabons, ils sont allés au Congo-Brazzaville. Arrivés au Congo-Brazzaville en 61, ils ont commencé à servir Dieu. Et à partir de 62, ils ont commencé à traverser à Kinshasa, Léopoldville à l'époque. C'est encore cette femme qui a eu la vision pour la première fois. Ils sont arrivés deux, trois fois à Kinshasa et dit, je sens que notre vraie place d'éclosion n'est pas à Brazzaville, mais à Léopoldville. Et comme ils étaient pris en charge par les assemblées de Dieu de France, ils sont allés demander aux assemblées de Dieu de France, est-ce possible que le subside que vous nous donnez nous accompagne parce que nous sentons que nous devons traverser de l'autre côté? Ils ont dit, si vous traversez, nous arrêtons. Ils ont prié. Mon pasteur a dit, j'étais en train d'hésiter. Mais un jour, cette femme a eu une grande vision, puis elle a dit, chérie, on avance. Ils ont traversé en 64 sans rien. Et durant plus de 5 ans, c'est sa femme qui travaillait comme sage-femme à ce qu'on appelle aujourd'hui Mama Yemo, hôpital général. Elle était en train de souvenir tous les besoins. Ils étaient à l'endroit de Dieu, mais l'éclat de Dieu n'était pas encore sorti. Des années plus tard, quand toutes ces choses sont sorties, il dit, je dois toutes ces choses. Que Dieu place sur ta route quelqu'un qui va t'aider à te réaliser. Mon pasteur disait, un mariage réussi, l'autre sert d'engrais dans ta vie. Vous savez, l'engrais, quand on a planté quelque chose, l'engrais aide à grandir. Mais le mariage qui échoue, c'est comme si un arbre veut pousser en place une grosse pierre. Si tu es à côté d'un marié, demande-lui, tu as à côté de toi engrais ou pierre qui bloque. J'entends quelqu'un dire, moi pas pierre, béton papa. Quand vous tombez sur la bonne personne, elle vous sanctifie. Elle vous rend glorieuse. Elle vous donne un éclat. C'est pourquoi j'ai pris, vous qui n'êtes pas encore mariés, associez Dieu dans les choix. Le feu Jacques-André Verdon nous enseignant sur le mariage, j'aime bien les images qu'il donnait. Il disait, le mariage au travers du conjoint que nous choisissons, c'est comme les pointures des chaussures. Moi, je chausse du 46, 12. Quand tu me donnes du 46, je suis à l'aise. Mais si tu me donnes du 45, 45 et demi, pour arriver jusqu'à Fabrice, je peux faire 2 jours. Et si tu me donnes du 48, je serai obligé de mettre des cotons dedans. Que Dieu te donne ta pointure, celle qu'il faut, pas celle au-delà et pas celle en deçà. Que c'est beau d'avoir un mariage qui réussit. J'ai été au contact avec mon pasteur Jacques-André Verneau, 40 ans de vie de couple, mais on sentait la complicité dans la fatigue. Mon pasteur, quand il voulait appeler sa femme par un petit nom, il l'appelait Haneke. Haneke, ça veut dire petite fille en néerlandais. Il y a des jours, j'arrivais au bureau, je les ai trouvés enlacés l'un vis-à-vis de l'autre. J'ai dit, nous avons heureusement Viviane Azawati. Il y a 30 ans, 40 ans, il y a un Nzambe. Ça fait du bien d'avoir des gens qui sont âgés, ils ont passé plusieurs années, mais on peut lire et sentir qu'ils s'aiment encore. C'est possible dans le Seigneur. Et surtout, comme je le disais, quand Dieu est derrière, ça n'arrive pas souvent, mais les quelques rares fois où ça arrive, c'est difficile à bien prêcher si Viviane et moi, ça ne va pas. Et puis en plus, à fin de Lyon, la façon dont elle regarde, c'est même dire, est-ce que toi, tu peux prêcher? L'autre peut vous rendre performant. J'en ai parlé une fois ici. Un jour, je parlais avec mon frère Marcelo. Je lui ai dit, je te connais tout jeune. J'ai vu comment le mariage t'a changé. Mais j'ai vu aussi un moment où ton ministère a pris un virage. Il me dit, grand frère, c'est comme ça qu'il m'appelle. Papa.
dit, dès l'instant où j'ai commencé, chaque fois avant d'aller prêcher, de prier avec ma femme, je vis toute la différence. Elle dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Combien c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui vous enrichit, quelqu'un qui vous apporte un plus. Cet homme a influencé l'évangile à l'époque de Jimmy Swaggart. Il s'appelait Jerry Farwell. Il avait un ministère qui s'appelait PTL, Praise the Lord. À l'époque, il fallait passer sur des stations, des radios, des télévisions. Et il s'est partagé des stations de télévision avec Jimmy Swaggart. À un moment même, il avait plus de 70% à cause de l'impact de son ministère. 12 ans après son mariage, il a divorcé. Mais avant le divorce, 2 ans avant, 1 an et demie même, on l'a arrêté pour fraude fiscale. On l'a mis en prison. Scandale aux États-Unis. Il a triché dans la déclaration des impôts. Les jours où on vient l'arrêter, on ouvre la chambre de sa femme, 6 000 paires de chaussures. Avec des paires de chaussures qui coûtent $10 000. Je me demandais, est-ce qu'on a besoin de 6 000 paires de chaussures? Et 1 an et demie, il est en prison. Sa femme qui était libre a demandé le divorce qu'elle a obtenu. Et elle s'est remariée. Et cet homme a écrit un livre dont le titre est « I was wrong », « Je me suis trompé ». Dans ses livres, il dira « Mon ministère n'est pas mort les jours où on est venu m'arrêter ». Mon ministère n'est pas mort les jours où on m'a mis en prison. Il dit, mon ministère est mort les jours où je suis allé prêcher dans cette église et j'ai vu cette belle jeune fille dans la chorale et j'ai décidé d'en faire mon épouse parce que physiquement elle m'avait attiré. Il dit, c'est ce jour-là que tout est mort. Cet homme aujourd'hui est nulle part. Dernièrement, je suivais des émissions. Il commence à faire des émissions sur la nutrition. Parce qu'après plus de 15 ans, on l'a libéré. Mais il n'a plus l'impact qu'il avait. J'ai lu ses livres à Wozrong et j'avais 2 sentiments. Le premier sentiment, j'ai rendu grâce à Dieu pour la femme que Dieu m'a donnée. Vous savez, des fois, nous et vous qui avons la chance de bien se marier, on n'a aucune idée du privilège qui est le nôtre. Ma petite expérience m'a montré les gens qui se marient mal, ils ont même des maux physiques. Maux d'estomac, hypertension. Ils vivent calmement. Ah, je vais déranger les célibataires. On a 29 ans. Mais j'aime toujours dormir avec mon épouse dans mes bras. Qu'est-ce que ça fait du bien? Des fois, je dis, ça augmente l'onction. Quel bonheur que d'avoir marché avec. Beaucoup de choses ont changé, mais notre amour est toujours plus fort. Je lui disais il y a quelques temps, physiquement tu as changé, mais je te préfère physiquement tel que tu es aujourd'hui. C'est pour ça, pasteur Timothée, qu'est-ce que tu as moi, Sinangaï? Il y a 1 an et demie, notre fille aînée s'est mariée. J'étais tellement sous l'émotion et ma joie était grande, les larmes ont commencé à couler. Elle m'a simplement tenu la main. Elle ne disait rien et je savais ce qu'elle voulait dire. Quand je vois le petit garçon que j'étais, plein de complexes, qui a grandi dans des coins les plus reculés, pauvres, et jusqu'où je suis arrivé aujourd'hui, si seulement je suis quelque part. Je les dois au Seigneur, mais je les dois aussi à ces choix que j'ai eu à faire.
Il y a quelqu'un que j'ai voulu aimer avant elle. Mon cœur a voulu même s'attacher. Et puis finalement, Dieu a fait que ça ne marche pas. Je l'ai retrouvée quelques années après, j'ai vu ce qu'elle est devenue. J'ai vu les valeurs qu'elle n'a pas. Je dis, Seigneur, merci qu'elle m'ait dit non. Ce soir, en terminant, j'ai voulu lancer un double appel à ce grand auditoire composé principalement de jeunes qui sont en train de choisir ou qui vont choisir. Et je vais réinviter ces deux groupes de jeunes gens en vous disant d'abord que votre choix déterminera votre destinée. Vous deviendrez ces grands politiques, ces grands médecins, ces grands prédicateurs, ces grands hommes d'affaires, cet homme influent au niveau du pays et même plus loin, selon la personne qui sera à vos côtés. Y a-t-il quelqu'un, un jeune homme qui n'a pas encore choisi, qui veut dire, je me rends compte combien c'est sérieux, je ne voudrais pas me tromper, levez-vous là où vous êtes. Vous n'avez pas encore choisi, vous allez peut-être le faire demain, ou dans les jours, dans les années qui viennent, et vous réalisez combien c'est pertinent ces choix. Si vous vous trompez, tout peut passer à côté. Mais deuxième appel que je lance, vous êtes en train de choisir, vous avez peut-être déjà fait les choix. Mais ce soir, vous voulez quand même remettre ces choix devant Dieu en disant, Seigneur, si c'est le bon, confirme. Si ce n'est pas le bon, infirme, enfin que je n'avance pas. J'aime quand les psalmistes disent, Seigneur, regarde si je suis sur un bon chemin et qui mène vers l'éternité. Si je ne suis pas sur le bon chemin, arrête-moi. Celui qui trouve une femme, qui trouve sa femme, qui trouve sa compagne, trouve le bonheur. Alors que nous chantons, je sens dans mon cœur, il y a des gens qui vivent dans les regrets. Ils sont mariés depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais se rendent compte qu'ils se sont trompés de personne. J'entends même quelqu'un au fond qui dit, si j'avais entendu ce message il y a 10 ans, j'aurais évité ce choix. Si je l'avais entendu un peu plus tôt,